Bonjour tout le monde, c'est Codran et aujourd'hui, nouvel épisode, épisode 32 avec la Russie sur Europa Universalis 4 et on poursuit la guerre contre la RDN et la Suède. On poursuit cette contre-offensive qu'on avait lancée après notre retrait jusqu'à l'Oural et où les Polonais avaient connu le froid de l'hiver russe, qui leur avait pas fait du bien. À ce niveau-ci, on voit qu'on a été accroché avec une armée de la RDN à Mogiliev, mais bon, les Français vont nous soutenir, donc je vais pas trop intervenir. Bon, les hospitaliers, apparemment, on a réussi à négocier la paix, donc en plus, on a sauvé l'ordre hospitalier, voilà. Merci, moi, je sais, oui. Donc, les Français vont arriver ici, on va les raser, voilà. Cette guerre-là est gagnée, enfin, cette bataille, pardon, est gagnée. On est retombé dans le positif, enfin plus ou moins en économie, donc ça c'est très très bien. On les repousse dans tous les sens, c'est la débandade, ils savent plus quoi faire, les Français sont... On va déjà avoir la jonction avec les Français et les Bohémiens, qu'on a complètement écrasé en fait l'armée de la RDN. C'est vraiment parfait. De ce côté-là, bon, on va continuer, on va aller à Savolac. Alors cette guerre... Je vous ai dit, je veux qu'elle dure, je veux que la RDN souffre, je veux que tous les peuples qu'elle a opprimés se révoltent d'un seul bloc et que ça pète. Et ça, ça va être beau. Et voilà, on va aller à Tchernigov. C'était ici que la contre-offensive polonaise avait réussi, où on s'était fait repousser, qu'on avait battu en retraite jusqu'à l'Oural. Et après, les Polonais avaient une drôle de surprise dans le froid. Ça a pas mal marché, cette tactique, hein, quand même. Alors économiquement évidemment c'est pas la folie, les effectifs regardez, on encaisse quand même pas mal. On encaisse quand même pas mal, heureusement qu'on a tout plein d'effectifs. C'est vraiment un véritable don. On va aller vers le sud, parce que je vois qu'il y a un petit nid de résistance. On va aller s'occuper de tout ça. En ce temps là au nord, j'ai envie de dire ça se passe très très bien. Alors je sais pas si je... Ah non, j'aurais peut-être... préférer rendre le territoire limite j'aurais préféré rendre les territoires à Byzance. J'étais parti pour les vassaliser mais comme un con j'ai falsifié en fait. Seulement de 16, ça va être juste. On verra ce qu'on peut tenter, la guerre est pas encore finie de toute façon. J'aurais bien aimé leur donner Sinope, tout ça, et vassaliser, quoi. Et ça, limite, ça, je vais redonner aux Ottomans, hein. Je sais pas si je vais prendre, j'ai pas de casus belli dessus. On verra, on verra. Je vais peut-être même redonner ça aux Ottomans, donc c'est vous dire à quel point j'ai envie de poutrer la RDN. Là, ça se passe bien, je vais juste, alors, diviser l'armée en deux, et j'envoie un petit contingent là-bas, parce qu'il y a, une troupe qui m'embête un peu, hein. Dissidents polonais. Alors de ce côté-là, ça se passe comment? On va aller écraser les Moldaves en Zaporozhia. C'est parti. Magnifique. Hop là, plus d'armée moldave. Ah! Le roi polonais qui doit être ici. Alors, je sais pas si c'est le roi. Hein. Et vu les grades qu'il a... Enfin, vu les étoiles qu'il a. Hop. Ah bah ok, bon. C'est très bien passé. Bah écoutez. Est-ce que tu veux pas rentrer dans la guerre, toi? Prendre de... Histoire de reprendre des pays. Non, tu veux pas. Non, t'as pas encore trop confiance. C'est vrai qu'il reste quand même tout ça. Hein. Il reste quand même tout ça. Après, je me fais pas trop d'illusions. C'est des territoires conquis. Je pense pas que ce soit les territoires les plus riches de toute la Pologne. Donc... De ce côté-là, ça se passe plutôt bien. Et regardez, c'est magnifique, mes alliés me donnent tous les territoires en Pologne. Ça, c'est vraiment des bons alliés. Et là, j'ai envie de dire merci la France et la Bohème, quoi. C'est pour ça que je vous dis, si d'ici la fin de la partie, on arrive à avoir une union personnelle avec la France, mais là, c'est splendide, quoi. Ce serait vraiment le plus grand bonheur qui puisse nous arriver. Polotsk vient de tomber. Juste m'occuper de ces petits dissidents là-bas. Oh, bon, bah ici on progresse. Pareil, en Finlande, on rencontre aucune résistance. Je vais pas libérer ça, je vais plutôt avancer là-bas. Oh là là, j'ai hâte de voir l'écran de diplomatie où on va pouvoir choisir. Bon, alors là, je t'enlève ça, tu me donnes ça. J'ai hâte.
J'ai très très hâte. Bon, il reste encore tous les Balkans à dépoloniser, si je puis dire. Allez, c'est parti. On accélère un peu la vitesse. Tchernigov est tombé. De notre côté, c'est parfait. On va lancer l'armée de l'Oural dans le sud. Dans les Balkans. J'allais m'occuper quand même un peu de toutes ces petites armées dissidentes là, qui se baladent. Allez, Vitebsk est tombé. Je vais envoyer ça là-bas. Vitebsk, c'est bon. Bah, le nord est complètement sécurisé. Je vais envoyer l'armée de Pologne vers le sud aussi. Comme vous voyez, voilà, les Français, quand ils prennent une province, ils me la donnent directement. Ça, c'est vraiment super. Allez, l'armée de l'Oural va traverser les Carpates pour aller se rendre dans les territoires conquis des Balkans. Alors, je vais m'occuper de la Moldavie maintenant. Alors, le golfe d'Odessa, bah, c'est occupation totale. On arrivera bientôt à Constantinople. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai hâte que l'armée de Pologne arrive, comme ça on va couper carrément l'arrivée de troupes. Ah non, il passe par l'Autriche apparemment. Bah, un petit conseiller pour le prestige. Parce que prestige, voilà. On va avoir un emprunt, vous inquiétez pas. Mais alors, pas du tout. Vous inquiétez pas pour ça. C'est vraiment pas la peine de s'inquiéter. Alors. Ouais, bon, au pire, Byzance ira bien se faire voir. Parce que de toute façon, je sais pas s'ils ont vraiment de territoire. Il y en a un. Non, mais même, je le rendrai quand même. Je donne les territoires, même si c'est mes ennemis. Hein. Là, je veux dépecer le truc, quoi. Parfait, l'offensive est lancée au nord. Ici, on contrôle. Il n'y a plus que des petites poches comme ça, là, avec 2-3 mecs qui tiennent. Et le gros est vraiment sous notre contrôle. Va falloir faire une réorganisation des armées après. Hein. On a carrément passé le Danube. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Ouais, ça passe par la Suède. Par l'Autriche. D'ailleurs, en parlant de Suède. Hein, l'armée de Sibérie, là, dirigée par ce brave... les Français arrivent aussi. L'armée de Sibérie, dirigée par ce brave Vorotinsky, là. On en est où? On en est à ce que ça avance vite. Et à ce que les Suédois prennent cher, aussi. Parfait. C'est très bien, mes vassaux qui sont à l'arrière pour reprendre le territoire occupé. Parce que j'ai pas envie de dire les, puisqu'on n'a pas les, il y en a qu'un. Ah, par contre, là, la France me donne plus les territoires, mais c'est pas grave de toute façon. De toute façon, je vous ai dit, hein, je vais pas tout prendre d'un coup, déjà c'est impossible et ce serait du suicide. Mais je vais faire ça progressivement, quoi. J'ai envie de voir la lassitude de guerre. 11! Plus 11 d'agitation nationale. Regardez, il y a déjà des petits risques là. Vous voyez? Oh là là, 3, c'est quoi ça? Nationaliste, c'est Polotsk. Si Polotsk se révolte, alors là, c'est vraiment la... La Galici... Quoi ça? Galici aussi... Oh là là... Oh là là, les Hongrois? Les Hongrois. Les Hongrois. Les Bulgares. Encore patriote autrichien. Ça ne serait tardé, c'est juste parce qu'on n'est pas encore arrivé là-bas. En tout cas, cette guerre... se mène plutôt bien, je suis assez fier de moi là. Comme quoi, vous voyez, faut pas s'inquiéter, faut attendre le bon moment et ensuite on y va et tout pète quoi. Alors, par contre, cette guerre là-bas, ça se passe comment? Je disais qu'on n'allait pas l'avoir passé, mais. Toujours pas pris le territoire, d'accord. Ça tombe. Ah bah si, vous voyez, les Français m'ont donné la muténie, d'accord. Alors là, je vais les saigner, je vais les saigner. Je vais les saigner, quoi. Diminuer ça, quitte à perdre des points, quitte à... J'en ai rien à cirer, hein.
Et je veux vraiment les voir crever jusqu'à ce qu'ils rampent, jusqu'à ce qu'on les voit plus, quoi. Alors, effectif, la France 0, la RDN 471, la Suède 4000. Sachant que là, les grosses puissances en Europe, elles ont plus du tout d'effectifs. Moi, j'en ai encore 231 000, hein. Je veux pas dire. Et puis, ça remontera vitesse grand V aussi. Alors, on a pris un territoire juste là. La Bessarabie tombe pas, hein. Commerce de fer. Magnifique. Ah, en tout cas, je suis content. Cette partie, je sens qu'on va la finir. Ça va être magnifique. Vous l'aurez pas regretté, cette série. Parfait, parfait. Allez, on continue. Stockholm. On vise Stockholm avec l'armée de Sibérie. Pff, on va commencer avec la Suède. La bonne blague. La bonne blague. Bah voilà, on a le maximum de colonies, donc là il va falloir qu'on avance militairement. Ce que ça fait. Alors, côté rebelle, c'est magnifique. C'est magnifique. Pas trop de risque de révolte. C'est parfait. C'est parfait, parfait. Alors, je sais pas si les révoltés, dès qu'ils se révoltent, est-ce que je vais se révolter et je ne fais toujours pas la paix pour être sûr que ça forme des pays, ou est-ce que je ferai la paix quand même? Je verrai ça. Non, toi t'attendras encore. Eh, oh, il libère des territoires là, c'est quoi ces conneries là? Suède a conclu une alliance militaire avec République des Deux Nations. ouais, c'est ça, ouais. Je crois que la RDN va t'aider. Ouais. Ah, bataille navale. Des sièges qui commencent à s'achever sur les côtes apparemment. C'est au nord ça. Ouais, c'est au nord. Flotte. Le Red Squadron. N'importe quoi. Le Red Squadron. Muros est tombé. Oh là 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 là, alors là, mais c'est... Hey, à la fin, je vais prendre une photo, là, enfin un screenshot. Avec tout le territoire rouge rayé, quoi, ça va être magnifique. Et je ferai payer pour voir cette photo. Hop! J'ai envoyé ces 12 000 hommes là-bas, parce qu'ils sont assez emmerdants ceux-là en fait, hein, là-bas. Constantinople. Ah, c'est Chypre qui est sur Constantinople, sans déconner. Ah! Oh non! Chypre déclare la guerre à la RDN toute seule. Ah, c'est énorme, c'est pourquoi? Byzantin, reconquête de Sinope. Ah oui, mais c'est moi qui l'ai, Sinope. Alors, qu'est-ce qu'on propose de beau? Entretien militaire. Technologie, non, on va continuer à avancer les technologies. La guerre n'est pas une raison pour perdre du temps, même si après, je pense qu'une fois qu'on aura fait ça, qu'on aura bien fait péter, on va pas revenir avant un moment donné en Europe, parce que la trêve, elle va durer un moment. Ah bah, c'est bon, il n'y a plus d'armée à l'arrière. Les derniers bastions polonais sont dans les Balkans. Les Balkans qu'ils ont conquis. Toujours leurs hussards qui sont ici. Une verse de cuivre. Bah, décidément, le règne de... c'est bien Semien 2. De Semien 2 sera vraiment prestigieux avec la grande guerre contre la RDN. Stockholm a été prise. Stockholm a été prise par l'armée de Sibérie. C'est la fin. L'empire suédois s'effondre. L'empire polono-lituanien s'effondre. Tout s'effondre face à la Russie impériale.
Et on a déclaré la guerre en 1713, on est déjà en 1719. Hein. C'est pour vous dire un peu comment que ça passe vite quand même. On s'en rend même pas compte, hein. On s'en rend même pas compte. Bataille navale, bataille navale. La Poméranie, tout le monde commence à attaquer la RDN, là, ça y est. Poméranie l'a attaqué, Chypre l'a attaqué, les petits faibles. Kiev l'a attaqué. Ça va être la fin, là. Ça va être la fin des haricots pour eux. Et on dit merci qui ? Merci Caudran. Voilà. Et on dit merci la Russie aussi. Ah, de la thune, parfait. Vous voyez, je vous ai dit, hein. C'est pas un problème. Voilà, hop, un petit emprunt de rembourser. Voilà, il m'en reste plus qu'un, je vous ai dit, tranquille, hein. Tranquille, mais vraiment tranquille. Ah, on a des révoltés là-bas. Patriotes grecs. On s'occupera de Venise aussi un jour, parce que eux. L'Urbino, ah, c'est marrant l'Italie. Il n'y a même plus de pape, enfin il n'y a même plus les états pontificaux, ils doivent être quelque part. Ils ont toujours un territoire dédié, hein, généralement. Attendez, on va voir où c'est. Normalement ils ont. Merde, j'ai pris. Normalement ils ont toujours un territoire. Je sais pas du tout où il est. Attendez. Je me suis mis ça dans la tête, donc maintenant on va être obligé de regarder. C'est eux de toute façon, l'état pontificaux. Ou peut-être qu'ils ont été complètement écrasés, mais je crois pas qu'on puisse les écraser complètement. À moins que c'est ce qu'ils ont fait, peut-être. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je les vois pas dans les E, donc. Bon, ici ça se poursuit. Hein. Ah bah, Byzance attaque la RDN. Et c'est eux qui doivent être aux côtés de Chypre, ouais, c'est ça. Voilà. La fin d'une époque. La Slavonie. Il va en Bosnie, on va libérer la Serbie. Oh là là. Et je crois que les effectifs, on en perd plus, on en gagne maintenant. Ah, quoique si, on en perd quand même. Mais j'ai l'impression qu'on était à... Non, non, on en gagne. On gagne des effectifs, putain. Ah, c'est énorme. Ah, c'est énorme. C'est vraiment énorme. On gagne des effectifs, quoi. C'est incroyable. Incroyable. Bon, bah... On va bientôt finir tout ça. Ah, bah là, le Brandebourg, il est même bien, là. Bon, révolte, on en est où? Ah, ah, ça commence. Ah, ça commence, ça commence, ça commence. Ça va bientôt péter, là. Bon, apparemment, ils ont bien matraqué les Valaques. Bulgare aussi. Ouais, ouais, faut attendre un peu. Regardez, là, ça va s'éclater dans tous les sens. Combien de lassitude de guerre? 20. Ils ont le maximum. Ils ont 20 de lassitude de guerre. Maintenant, on attend. On attend et on laisse le fruit... on laisse le fruit mûrir un peu, là. Faudrait pas qu'on ait fait ça pour rien, donc je vais rester sur les territoires. Les rebelles peuvent les prendre, c'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Je veux vraiment... D'ailleurs, on va leur retirer nos hommes, parce que ce serait bête qu'ils se mangent des rebelles. Et d'ailleurs, en parlant de rebelles, je vais en financer, tiens. Plus 34 par tour, je suis en pleine guerre. Je gagne des effectifs, c'est incroyable. Incroyable. Ah, j'ai mis... Ah oui, attendez. Il y a un truc que j'ai pas regardé aussi. Je suis un peu trop en avance administrativement. J'avais pas fait gaffe. Ah, mais c'est parce que je suis toujours boosté sur ça aussi. Non, non, je suis sur le militaire. Bah, c'est Siemen, Siemen 2, en fait, qui est... Siemen. C'est Siemen 2 qui, en fait, qui est complètement... complètement balèze. Donc, je vais changer. On va mettre monarchie absolue. Voilà. Quoique, attendez, je vais regarder un peu. Féodale, administrative... ouais, absolue. Parlementaire... J'aime bien le moins 1 d'agitation nationale, on va mettre absolue. Et en plus, il y a l'autonomie qui diminue et la discipline qui augmente.
Allez, monarchie absolue. Voilà. Ça, c'est bon, ça. Maintenant, on remonte au nord. Avant que ça pète. Parce que quand ça va péter, ça va être sympa. Voilà, on va avancer un peu. C'est magnifique. Regardez la Suède. Regardez la RDN. Waouh, waouh, waouh. Et regardez le monde. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Cette guerre, mon Dieu, cette guerre. On les a piétinés. Ok, bon, ici on a touché la mer, on va renforcer le servage. Prochaine étape, ce sera eux. Ah, ah oui, c'est parce que c'est pas encore une colonie. Si. Et pourquoi on peut pas celui-là? Je tiens aucune province voisine sur laquelle faisait fi une revendication. Bah, c'est quoi ça? Ils ont peut-être d'autres territoires. Enfin, qu'importe. Qu'importe, qu'importe. Oh, je suis content là. Je suis content. Le siège a duré 360 jours. La garnison succombe à la faim et à la maladie. Oh, cette guerre. 1713. Ça va faire presque 10 ans. On a pris la Macédoine. On a pris la Bosnie. On va aller libérer la Crimée là-bas. C'est vraiment magnifique. Vraiment, absolument là. Pff, c'est, je sais pas quoi dire. C'est, là, je suis sur le cul quoi. Là, je suis sur le cul. Je savais qu'on était puissant, mais à un point comme ça, enfin écrasé la RDN et plus la Suède. Bon, on était aussi bien aidé par la France. Hein. Faut s'accorder là-dessus. On aurait pu réussir, mais ça aurait été plus long, et il y aurait eu plus de combats, enfin, ils auraient pu se traîner dans la neige, mais le coup de commencer, en fait, l'offensive, pendant que les Français et les Bohémiens étaient en train de tailler les Polono-Lituaniens au centre, de commencer l'offensive dans les territoires de l'Est, et ensuite, quand les Polono-Lituaniens sont revenus vers nous, de commencer à battre en retraite jusqu'à l'Oural, on a eu pas mal d'échecs, pas mal de pertes. Notre armée d'ailleurs du sud a été anéantie. Bon, ça c'est un truc que j'ai pas vraiment suggéré, mais je voulais tenter quand même de prendre Constantinople. Retraite jusqu'à l'Oural. La neige qui arrive. Ça crève. Ça bat en retraite. Contre-offensive. Et pendant la contre-offensive, les Polono-Lituaniens sont arrivés chez eux. Ils pensaient être tranquilles. Et puis en fait, les Français étaient déjà au nord de la Crimée. Donc c'est vraiment parfait. Et les Suédois, bah c'est pas... Pff, les Suédois, je les ai même pas vus en fait. J'ai vu une armée. Et c'est tout. Il y a de l'agitation, il y a de l'agitation. Donc j'ai dit oui, fallait soutenir des rebelles. Ah bah on a le choix, bah voilà. J'ai un peu mieux, alors. C'est Polotsk que je crois qui fait vraiment un gros truc. Il y a pas mal de provinces. Kalichi-Voigny. Ça peut être intéressant. Ça. Polotsk, Minsk, Polotsk, Brest, Grono, Vitsenepinsk, tu vois. Combien de thunes? Pff, allez, j'ai envie de dire, hein, c'est parti. Hein. C'est parti, c'est parti. Alors, bon, je vais quitter cet épisode quand on aura pris tous les territoires et tout sera assuré. Je prendrai un petit screenshot. Ah! Ah non, ça c'est les Turcs, ça c'est chez moi. Autant pour moi. Chez moi. Je crois que. Ils sont pas sentis pisser ceux-là. Ah! Bah regardez. Comment ça vient. Alors côté. Lassitude. Suède 15, Moldavie 18. Et on les fait saigner là. Je suis à combien moi? À 5. Bientôt 6.
Bientôt 6, mais on gagne des effectifs, donc j'ai envie de dire, c'est peinard, quoi. Allez, on repasse dans l'autre côté du continent. Bataille d'Ankara, victoire. Il fait quoi, mon diplomate, là-bas? Ah, soutenir les rebelles, c'est vrai. Ah, voilà, bon, bah écoutez. Écoutez, voilà. La Suède, bon. Ah, il y a juste ça, là. Ouais, enfin, il y a juste ça, c'est bon. Personne verra. Si vous dites rien, personne verra, c'est bon. Ah, c'est magnifique. Alors, voyons voir ça. Il n'y a pas un truc avec le... Ah, oh, c'est magnifique. Oh, là, je sais pas, mais c'est colossal. C'est vraiment colossal. Alors, on va faire ça comme ça. Hop, on va mettre ça là. Ça, c'est le butin, voilà, c'est mon trophée, ça, c'est ma pancarte d'administrateur. Hop. Ma pancarte de vétéran. Hop, on va mettre ça là. On va enlever ça pour faire plus propre. On va enlever ça pour faire plus propre. Hop. On met ça bien, là on aligne bien. Voilà, c'est magnifique. Alors, attention, il y a la pause qui gêne un peu. Parfait. Et ça, je mets ça là, au plein centre. Attention. Voilà, c'est bon. Tout ça pour ça. Oui, je sais, c'est absurde. Mais c'est pas grave. Bon, bah écoutez, nous, on va se quitter ici pour cet épisode. En tout cas, j'espère qu'il vous a plu. Vous avez la guerre, vous l'avez voulu. Vous l'avez eu. Et on les a vaincus. C'est parti. C'est parti. Pourquoi je dis c'est parti? C'est déjà fait. C'est déjà fait. On les a défoncés. Donc bon, voilà. On va se quitter ici pour cet épisode. Au prochain épisode, on va déclarer... On va déclarer la paix, ouais. On va proclamer la paix éventuellement. Et je vais voir aussi du côté des rebelles. Un petit peu comment on peut se débrouiller. Voilà. J'espère en tout cas que cet épisode et que cette guerre vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous. C'était Caudran.